Hey, salut à toutes et à tous, c'est Dia et on se retrouve pour un nouvel épisode de Moustache King Adventure. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué à ce petit Moustache King Adventure et normalement de... je ne sais plus comment battre les ennemis d'ailleurs. En gros, chaque type d'ennemi a un comportement qui est associé à une capacité en particulier pour pouvoir le détruire, sinon on subit des dégâts et on pleure. Et quoi qu'il en soit... Oula. Tac. Ah non. Notre but à nous, ce n'est pas de tous ces affronter, quand bien même là on est vachement mal. C'est plutôt de vous montrer tout le chemin qu'il y a à faire pour atteindre le château du roi. Qui est juste ici. Bon. Donc dans l'épisode précédent, on a battu la princesse, un épisode qui remonte, ce qui permet maintenant de garder et d'attaquer l'heure en même temps aussi. Petite précision, alors... Ah. Bon, il faut que je reprenne le jeu en main. Ok, ça c'est bon. Petite précision, vous voyez que le jeu est beaucoup plus rapide. Faut que j'arrive à l'esquiver ce truc... Ok. Vous voyez que le jeu est beaucoup plus rapide, etc. par rapport à ce que vous aviez dans les vidéos précédentes. C'est le fait qu'il est... aïe on va mourir. Je pense pas qu'on réussisse à... Ah, oh, j'arrive même pas à mon... Oh, on va mourir, c'est pas grave. Là, je suis à 60 FPS au lieu d'être à 30 dans la plupart des... X, voilà. Dans la plupart des jeux que j'ai eu l'occasion de faire pour le moment, je voyais pas tellement la différence, mais là, comme vous voyez, dès qu'on repasse à 30, ça fait un énorme ralentissement. Et... Non. Enfin, du moins avec mon ordinateur précédent, donc je me mettais tout le temps à 30, peu importe ce qui se passe. Là, il s'est mis automatiquement à 60. Ce qui est plutôt sympa, parce que j'ai Fraps qui normalement reste à 30, peu importe le jeu. Mais bah là, il a décidé de se mettre à 60, ce qui est pas plus mal, puisque du coup... Bah du coup, on est en mode la rapidité normale de ce jeu. Ah mince, j'aurais dû y aller franco. Alors je combats pas toutes les gelées, parce qu'il y a le chemin à faire à chaque fois. Donc bon... Alors, voilà, on peut les renvoyer leur truc. Là, et bien. Ah, comment il a pu me toucher? Normalement, j'ai la priorité. Il m'enchaîne bien, lui. Allez, la première zone, je peux pas. Je suis obligé de les battre. Parfois, on n'est pas obligé de les. On n'est pas obligé de les battre dans toute l'arène. Je vais essayer d'ailleurs de. Combattre cela. Hop là. Alors voilà, j'en étais arrivé là avant. Bon, j'ai décidé de retourner, de refaire un record pour en réarriver là. Mince, j'avais oublié aussi que vous avez des zones d'attaque assez monumentales. Voilà, à cause justement de ce problème là où j'avais arrêté de jouer à un moment donné. En gros, faut réussir à passer d'une plateforme à l'autre, mais c'est super tricky. En mode... tu passeras une fois tous les 10 000 fois en faisant ton coup de pied, etc. J'ai pas trouvé de moyen de passer à coup sûr au niveau de ce petit passage de plateforme là qui est assez bizarre du coup. Là, hop. Donc voilà, c'est un peu étrange d'avoir mis un challenge de plateforme aussi... aussi... mince. Aussi tricky là. alors qu'il n'y en a jamais eu avant, mais très bien, donc sur le coup j'avais arrêté à un moment donné, et pas bon, c'est pas bon. J'avais arrêté à un moment donné, et ensuite bon, j'ai commencé à partir sur d'autres jeux, etc. Et j'ai complètement oublié qu'il me restait un épisode à faire. Oui, il y a aussi ce problème là qui est assez embêtant. En mode tu renvoies une bombe, il t'en renvoie 10 000. Par contre, tu peux l'enchaîner s'il y a un mur comme ça.
Hop. Et là, il y a à nouveau le souci qui se pose, et du coup, on se prend la bombe. Un peu, il y a deux, trois petits trucs qui sont un peu gênants dans ce système de combat et un peu frustrant. Après, ça n'empêche pas que le jeu est assez amusant quand même, surtout avec son univers assez décalé, carrément décalé même. Ah. Possible ça. Ouh. Là. Allez, viens toi. Hop. Viens aussi, viens aussi. Voilà. Ah oui, et puis on peut pas envoyer toutes les bombes, quoi. Il y a un moment donné. Il y a un moment donné, quand il y en a deux qui sont trop rapprochés, ça ne marche pas. Ah. Voilà. Voilà, c'est vraiment compliqué. Ce que je vous propose, du coup, c'est que on reprenne le record lorsque j'aurai réussi à passer ce passage de plateforme. De toute façon, il n'y a rien de vraiment intéressant à voir là. C'est juste, bah, il faut que j'arrive à faire des sauts parfaits, entre guillemets. Ah, pour pouvoir passer à la salle suivante. Voilou! On se retrouve du coup lorsque ce sera. Hi! Lorsque ce sera fait et c'est pas gagné. Wouh! Et on est de retour. Bon, en fait, c'est de ma faute. Il faut faire ceci. Voilà. Moi de base, ce challenge de plateforme, j'étais en mode mais c'est impossible parce qu'il faut que je passe comme ça. Et t'as l'impression d'être sur la plateforme, en fait t'es pas dessus, tu passes à travers, c'est horrible, il y a 10 000 sauts à faire comme ça. Non, en réalité, il y a une. Enfin, il y a moyen de rusher avec notre perso et du coup de faire enfin, de faire les sauts suffisamment longs pour passer d'une plateforme à l'autre. Et là, j'arrive à me louper. J'avais totalement omis ce mouvement de l'avatar, donc c'est de ma faute. Je sais pas si on me l'avait appris par contre. Mais voilà. Il suffisait de faire ça en réalité. Boy, that's do the rest challenge, the Moustache King, I double the rest. Enfin bref, du coup voilà, je me suis retrouvé bloqué assez longtemps pour pas grand chose. Hop. Ah! Ok, ça me repousse. Ah là 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 là. Hi! Non mais par contre les slimes comme ça, j'en veux pas. Envoie-moi des bombes! Oh! Oh! Mais arrête! Mais arrête! Ah! Ah! Mais envoie-moi des bombes, mon sang! Bien sûr, il m'envoie ça quand il y a l'autre. Ça, c'est un tonneau, j'en veux pas. Hop là. Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Non, non. Et. Ah! Mais j'ai sauté là, j'ai sauté! Ah! Oula, 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 il y a trop de monde, il y a trop de monde. Ok. Wouh! On a battu le roi. Ça fait 10 000 ans que j'ai pas fait cet épisode. Où je me disais, ce défi de plateforme. Bah, je sais pas comment le passer, du coup je le tenterai plus tard et ensuite je suis passé à d'autres jeux. Et ça fait 10 ans que cet épisode traîne. Oh là là. It can't be. No one has grown that moustache in over 100 years. Moustache beam! Bah on a fini le jeu, on a fini ce Moustache King Adventure qui aura mis un certain temps avant d'être vraiment fini. Un univers bien décalé, bien coloré, l'impression d'être un peu sur Game Boy Advance là avec une gamme de jeux à l'univers très coloré, un Yoshi's Island et autres qui était arrivé à ce moment-là. Ça me replonge un peu là-dedans et c'est plutôt cool. Avec un petit goût pour l'absurde qui est fort bienvenu.
Au-delà de ça, mon système de combat qui est sympatoche, surtout quand on est à 60 FPS, mine de rien, je m'attendais pas à cette différence. Au-delà de ça, bah quand même quelques petites imprécisions, notamment les soldats de la dernière arène qui sont un peu embêtants. Qui sont un peu embêtants quand ils lancent des bombes à l'infini et que faut juste que tu changes ta distance par rapport à eux pour qu'ils changent d'attaque. Ce genre de petites choses qui font un peu robot, ils sont un peu dérangeants. Mais rien de bien horrible pour un petit jeu fort sympathique. Donc bah, à l'occasion, si jamais vous avez envie de vous replonger dans un monde avec des slimes moustachus, ce qui est quand même plutôt cool, bah allez-y, lancez-vous, c'est toujours sympa. J'espère que cette aventure vous a plu, cette aventure qui trouve enfin une fin. On se retrouve pour tout un tas d'autres jeux, qu'ils soient commerciaux ou non, qu'ils soient amateurs ou pros. On ne fait pas de distinction ici, on teste tout et on s'amuse avec à peu près tout aussi, généralement, hein, sauf lorsque c'est vraiment frustrant, mais pour le moment on s'en sort plutôt bien. À toutes!